Le jardin zen d'Éric Borges. Ce jardin est conçu comme un parcours initiatique à l'art des jardins du Japon et des différents styles qui le composent. Jardin d'accueil, de méditation, de thé, de promenade, étang des nymphéas et des lotus, bambous serrés et parc arboré d'espèces emblématiques des jardins japonais, offre tout au long de l'année le spectacle d'une nature magnifiée par le travail des jardiniers. Ici, l'art de la taille structure et caractérise cet ensemble et le relie au paysage naturel qui l'environne. Pour en apprécier pleinement, il faut le parcourir lentement, faire des pauses, prendre le temps de contempler et de ressentir ce qui émane de cet espace, sanctuaire dédié à la nature mère de toute chose. L'eau jaillit ici, en cascade, alimentant les deux étangs où s'épanouissent les nymphéas. Un vaste étang, il est, à la belle saison, le royaume des lotus et des carpe-coy. Évocation métaphorique d'un paysage où montagne et eau se conjuguent sur une surface de gravier ratissé. Des lanternes de pierre pendent le parcours. Traversons les terrasses méditerranéennes. Le long de la rivière, on découvre en traversant la bambousserie jusqu'à la plage. J'espère que cette vidéo vous a offert un moment de quiétude, d'harmonie et de sérénité.